Pour dessiner une nappe de tube, le routage nappe de tube d'unifilaire. Il me renvoie la boîte de dialogue qui me permet de définir la nappe de tube que j'ai définie précédemment. Il a donc gardé toutes les valeurs. Je clique directement sur OK. Puis, pour commencer cette nappe, avec le bouton droit de la souris, j'accède aux options de départ de la nappe. Pour chaque tube, un départ peut être différent. Dans ce cas, chaque tube commence de la même manière, il vient du haut. Et c'est pour ça que je coche tous pareils. Puis, d'un simple clic, je peux changer le sens du fluide. Et je dis OK. Un premier point, un deuxième point. Les tubes se dessinent avec leur flèche et l'option choisie. Ensuite, je continue à dessiner en cliquant simplement. Ici, j'ai une option de descente. Bouton droit de la souris, ce n'est pas une option de fin, mais une option en cours. Pour chaque tube, je coche tous pareil, je descends. Ils s'alignent tous. OK. Et je peux continuer à tracer ma nappe. Puis, je m'arrête ici avec bouton droit de la souris, option de fin. Une option de fin montrant que mon tube traverse le plancher bas. Tous les tubes font la même chose. Par contre, le sens du fluide n'est pas respecté. Un simple clic pour remettre la flèche dans le bon sens. Je dis OK. C'est une option de fin. Donc la commande s'arrête.